Rivier kreeft. Ach ja, reebokje. Oké. Doe maar dieren met een K. Kraai. Krokodil. Kangoeroe. Kakkerlak. Kom. Kekkerdok. Kakkiebol. Kosterdik. Hey, zullen we van de autoroute af? Het is toch veel leuker om de koele lokaal langzaam te zien veranderen? Nou, zolang jij het verdomd rijden, gaan we rechtdoor. Wat doe je? Ik kijk even naar de benzinemeter. Kijk jij nou maar in je spiegeltje. Waarom ga je niet hier zitten? Dan kan je veel beter naar de benzinemeter kijken. Kijk! Je vois un arbre. Een arbre. Incroyable. Encore un arbre. Wel even een sinaasappeltje vol. Leuke couleur lokaal. Mijn nachtmerrie. Vannacht heb ik het weer gedroomd. Van het gouden ei. Dat je opgesloten zat in het gouden ei en niet uit kon en eeuwig alleen door de ruimte voelde. Ja, afschuwelijk is dat, die eenzaamheid. Nee. Er vloog nog een gouden ei door de ruimte. Ver weg. Maar als we zouden botsen, dan zou het voorgoed afgelopen zijn. Rex, wat is dat? De benzine. Nee. Rustig, dit is mijn schuld, maar dat doet er nu absoluut niet toe. Dit is heel erg gevaarlijk. Mijn licht staat aan, Saskia. Je alarmlicht, er zit toch zo'n knipperlicht? Nee, er zit geen knipperlicht op deze auto. Kijk nou wat er van komt van je stomzinnige gedrag, ik zei het nog. Ja, geen paniek in godsnaam, hè. Dat doet er toch niet toe we hier terecht zijn gekomen. We moeten hier weg. En als je hysterisch gaat doen, dan kunnen we... Ik ben niet hysterisch. Ik ben bang. Het gouden ei. Echt om een droom te vertellen. We moeten hier weg. Kom mee. Ze kunnen ons niet zien, ze rijden ons te pletter. De lantaarn. Ik pak de lantaarn. Wat voor lantaarn? Ik heb een zaklantaarn ingepakt. Jezus Christus, een lantaarn. Saskia, er kan ieder moment iemand bovenop ons zitten. Ik moet die lantaarn vinden. Kom nou mee, godverdomme. Blijf vanaf! Ga jij maar.
Saskia, ik kan die lantaarn niet vinden in die troep. Ik ga. Rex, wacht, ik heb hem zo. Rex, laat me hier niet alleen. Die kant op. Madame, bonjour, vous désirez ? Bien, s'il vous plaît. Et ça aussi. Als je wil, dan rijden we echt terug naar Amsterdam. Bij me van straks. Ik wist gewoon niet wat we moesten doen. Maar ik had je niet alleen mogen laten. Je hebt het gezien, er is nu ook benzine in de bidon. Wat? In de jerrycan. Ik hou van die tunnel. Toen je mijn naam liep, toen hield ik ontzettend veel van je. Ik haatte je. Ja.
ici la route du Tour. Nous sommes au kilomètre 40 au sommet de la côte Saint-Pierre de Chartres. Wij gaan een leuke vakantie hebben. Samen in mijn huisje. Zullen we dan maar meteen doorrijden? Nee, want ik moet naar de wc. Oké, dan wacht ik daarop. Oké? Voilà, ça fait 100 francs, s'il vous plaît, merci. Voilà. Merci. Avancez, s'il vous plaît. L'innovation technique et tactique, il faut tout simplement être meilleur que l'adversaire. C'est donc un choc de géant, un choc de titan auquel nous sommes confiés aujourd'hui. Alors que l'arrivée des concurrents, c'est celui qui est le meilleur. Rex Fang. Een frisbee van 13,50 francs, waar hebben we dat in godsnaam aan te danken? Omdat jij steeds moet rijden. Dat is goed tegen de stijfheid. Van het meisje dat de roos het mooist vindt als ze te acht zijn. Ik rook er helemaal niet. Dan kan jij mij af en toe een vuurtje geven. Ik mag toch nog wel mee op reis. Twee condities. Zeg maar. Ik rij naar boven je. Dat jij een mooie vrouw met zo'n bosje sleutels durft te laten rijden, Hofman. Ja, ja, ja. En de tweede conditie. Boompje stellen? 5, 6, 7. Vignon qui vient de contrer Hino, Vignon qui monte dans un style très fluide, et Hino, nous le vivons en direct, Hino est lâché, il paye les attaques répétées qu'il a produites depuis le pied de la côte. Je vous le rappelle, nous le vivons en direct, Vignon, vient insolent de facilité, de clairvoyance, de prendre plusieurs longueurs à Hino, bonjour Bafouille. En tête, c'est fantastique, Hino, Vignon, Herrera, Titsen, avec derrière Millard et Hino qui souffre. Mais méfions-nous des réactions d'orgueil du champion breton, il n'est pas encore enterré, tout est possible. Une page importante du Tour est en train de se dérouler sous nos yeux à quelques kilomètres du sommet Ik, de la frais. Moi, Rex Hofman. Ik, Rex Hofman. Zweer dat ik de bewonderenswaardige. Zweer dat ik de bewonderenswaardige. Oogverblindend mooie en lieve. Ook verblindend mooie. Bijna altijd lieve. De altijd lieve Saskia Wachten. De altijd lieve Saskia Wachten. Nooit meer in de steek zal laten. Nooit meer in de steek zal laten. Ik hou ze. Dat went vast een beetje. Aanstelster. Kom, we drinken wat en dan rij ik naar Boisvieux. Oké, zal ik even wat halen? Nee, ik trakteer. Zal ik voor jou een biertje nemen? Ja, lekker. Heb je wel geld? Wat een aanstelster is het toch, hè? Wie moet er nou wennen aan autosleuteltjes? Continuation les gars. Merci. Merci. Au revoir.
étape et Hino, qui était parti seul, est en train de souffrir le martyr. Il a été passé par Herrera, qui a compris cette dernière montée en tête, mais aussi par Fignon, qui est en train de prendre le maillot jaune de ce Tour 1984. Fignon qui a tout à l'heure rattrapé Hino et l'a dépassé dans la foulée. Fignon magistralement à l'aise et passé très ordonné, bien en équilibre sur sa machine. Hino lui fait briller, oui, le spectacle de ce champion hors du commun, terminant sa course en étant proche de la détresse. Là. C'est vous ! Cherche ma femme ! Vous pouvez pas rester là ! Saskia ! Saskia ! C'est équivocado, c'est... Saskia ! Saskia ! Je trouve plus ma femme tout d'un coup. C'est pas les toilettes des femmes ici. Servi par un courage atteignant la limite du sacrifice, monsieur, nouveau possesseur du les clients sont pas venus ici. Laurent Fignon. Madame, excusez-moi. Madame. Je cherche ma femme. Elle venait acheter une bière et un coca. Et elle a des cheveux roux avec des petites... Elle a un pantalon blanc, un jean et un maillot jaune. Le maillot jaune, c'est Fignon qui l'a. Vous voulez dire un pull jaune? Oui, avec de l'or dedans. Attendez, j'ai une photo. Voilà. Madame? Oui, je l'ai vue. Quand? Il y a une demi-heure, à peu près. Elle était près de la machine à café. La machine à café, mais... elle venait chercher des boissons froides. Elle était près de la machine à café, elle est revenue faire de la monnaie. Mais elle était seule près de la machine. Ou est-ce qu'elle parlait à quelqu'un? Mais vous savez combien il y a de gens qui passent ici par jour? 10 000. Et en plus, personne ne se connaît. Est-ce que vous avez vu cette femme, s'il vous plaît? Oui, je l'ai vue sortir avec un monsieur. Il y a quelques minutes. Minutes ? Ou un quart d'heure à peu près. Cette dame sortait de la boutique, elle avait deux boissons à la main. Et un coca et une bière. Elle était seule ou avec quelqu'un ? Seule, je crois. Je sais pas. Et après ? Après, j'ai dû faire une vidange ou un graissage. Mais vous l'avez vue où ? Pour la dernière fois. Près de cette porte, là. Ze hier stonden die blikjes. Dan kwam ze terug. Dus ze moet mij gezien hebben. En dan kon ik haar ook zien. Die Polaroid. Voilà. Non, non, mon testament, je elle est là. Là. Elle comprend tout de même avec les opérations suicides, pratiquement. Ici, le petit point rouge. Vous voyez? C'est elle. Ça ne peut être qu'elle. Et à côté d'elle?
Si, il y a quelqu'un. Il faut le rechercher. Du vélo. Ouais, je l'ai dit, Jean-Paul Brouchon, le duel entre les deux hommes... de dire au terme de cette 17e étape du Tour de France que tout est joué. Laurent Fignon en prenant la deuxième place à l'Alpe d'Huez. Croyez-moi, moi je vous prends très au sérieux. Vous, vous savez bien que vous n'êtes pas disputé avec votre femme. Mais comment voulez-vous que la police elle le sache? Elle a disparu, non? Votre femme est partie, quelques heures à peine. Pour eux, c'est rien de plus qu'une scène de ménage. Alors s'il devait se déplacer chaque fois que... Si demain matin à 8h elle n'est pas rentrée... Alors là, vous verrez, ils se dérangeront. Demain matin, c'est trop tard. Il faut faire quelque chose tout de suite. Elle a pu être enlevée. Il a dû laisser des traces quelque part. Écoutez, demain matin, personne... Écoutez, on n'a pas besoin d'attendre la police. On l'a vu près de la machine à café. Il a parlé à quelqu'un. Bon. S'il a pris du café... Il doit y avoir des empreintes sur une pièce. Il faut garder toutes ces pièces jusqu'à ce que la police arrive. C'est pas sérieux ce que vous dites. Hein? C'est absurde. Demain matin... Monsieur. Attention, je ne sais pas si elle est solide. Ça va, cette vieille bicole? Oh, Denise! J'aurais pas cru ta ça. Ta grand-mère entendait ça. Pensez de votre patience envers moi, qu'est-ce que j'ai apporté? Ah. Bien, Bill, tire-bouchon, s'il te plaît, dans le tiroir. Les araignées. Des animaux aimables, adorables, utiles entre tous. Cela dit, je reconnais que c'était un beau cri. Recommence pour voir. Moi, je vais faire plus fort. Maman? Ah!
Alors, cette maison, ça avance? Ah, on fait ce qu'on peut. Pourquoi que vous coupez pas encore quelques arbres? Ça vous ferait du soleil en plus. Pour que les cambrioleurs la voient? Quand on a une belle maison, c'est jamais pour soi tout seul. Dites-moi, monsieur Laurent, j'étais là hier avec ma femme et mes filles. Je ne sais pas si vous m'avez vu. Là? Parce qu'en arrivant sur la route, il nous a semblé entendre des cris venant de chez moi. Vous avez rien entendu? Non, j'ai rien entendu. Vous allez à Nîmes? Oui. Louis? Je suis avec un copain. Je vois. Écoutez, vous êtes des tricheurs, moi pas. J'ai deux places, et si je me suis arrêté, c'est pour elle et pour elle seule. Donc, salut. Donc, 12 cc égale. Tu crois que j'avais. Oui. 18 minutes 54 secondes. 18 minutes 54 secondes de sommeil égale 27 km, à peu près. Donc, ça me laisse environ 3-4 minutes de sécurité en cas d'imprévu. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Bonjour madame. Tralala, pom pom pom. Quelle coïncidence, quelle coïncidence. Vous pourriez aussi bien monter dans ma voiture. Tralala, pom pom pom. Madame, comme ça.
commence. C'est quelle coïncidence. Vous pourriez aussi bien monter dans ma voiture. Pam pam pam. Et voilà. Pardon. Pourquoi t'as fait ça? Ben parce que je t'aime bien, tiens. Non, la portière, à clé. T'as pas lu dans le journal? Il y a une fille qui est tombée de voiture sur l'autoroute récemment. Quelle horreur, elle est morte? Ben réfléchis, voyons. Le béton, la vitesse à laquelle roulent les voitures sur l'autoroute. Évidemment qu'elle est morte. Papa, t'as une maîtresse? Prends pas cet air choqué. À ton âge, t'as bien le droit, non? À la maison à Saint-Côme, je suis pas dupe. S'il vous plaît. Excusez-moi, le prise unique. Le prise unique? Mais ça tombe bien, je vais moi-même. Je vous emmène. Profitez du hasard. je crois que je préfère marcher à pied. Je vous donne pas tort, il fait beau. Alors le prise unique, vous descendez l'avenue et c'est sur votre droite en face de l'esplanade. Zotemelk en 76 et 79, Kuiper en 77 et 78, Vinel en 81 et 83 ont perpétué la tradition néerlandaise. Tu as quelqu'un d'autre? Non. Tu veux pas savoir pourquoi je dis ça? Si ce n'était pas moi-même qui y allais, je penserais comme toi. Tout ce temps passé, soi-disant à Saint-Côme, les kilomètres. Mais Simone, je t'aime. Et j'aime nos deux filles. Et je suis sans doute le dernier Français à pouvoir se glorifier de n'avoir connu dans sa vie qu'une seule femme. Ce sont les kilomètres.
Ça fait 13 kilomètres d'ici à la maison, 26 kilomètres aller-retour. Tu fais en moyenne, ces derniers temps, 50 kilomètres par jour. J'en rêvais quand j'étais jeune d'une femme qui aimerait les chiffres. Eh ben voilà, c'est fait. Bon, Denise. Denise, tu restes dans ta chambre. La maison de Saint-Côme, c'est comme une passion. Parce que mine de rien, c'est devenu une passion. Tu as quelque chose dans la tête, alors tu fais un pas. Et puis un deuxième. Et puis tu te rends compte que tu es là plongé jusqu'au cou dans quelque chose d'insensé. Et peu importe, tu persévères pour le plaisir de persévérer, pour la satisfaction que ça peut procurer. Ça ne se mesure pas en kilomètres, ça, ma chérie. Les 140 rescapés du Tour de France entrent aujourd'hui dans l'ultime semaine de compétition. Pardon, madame. Je cherche le prix unique. Vous êtes en voiture ? Vous êtes bien Monsieur Le Monde de Nîmes ? Vous ne me reconnaissez pas. Gisèle Marsin. Je connais bien votre fille Gabrielle. J'étais son entraîneuse de volley. Oui, oui, bien sûr. On s'est vus souvent au match. Vous venez souvent à Rémoulin ? Excusez-moi, je n'ai pas le temps. On peut prendre un petit café, juste 5 minutes. Je vous assure, je suis pressé. Monsieur Le Morne, le prix unique, vous prenez l'autoroute dans n'importe quel sens, j'en arrive, c'est plein d'étrangers. Vous vous arrêtez dans la première station de service qui vous tombe sous la main. Vous trouverez des centaines de femmes. Et là, pas de danger qu'on vous reconnaisse. Le type recommence avec ses affiches. Quel type ? On s'est déjà disputé à propos de cette histoire, alors souviens-toi. On s'engueule tout le temps. Mais si, chez Martinez. Tu voulais étriper tous les voleurs de filles. Je t'ai même dit, si c'était moi, tu marionnais. Oui, la Hollandaise, et alors ? Bien. J'admire la persévérance. Obsession, tu veux dire ? Après 3 ans ? Justement, ça me dépasse. Il est bien, ce type. Goeie lijm, ja.
Soms fantaseer ik dat ze nog leeft. Ergens ver weg, ze is heel gelukkig en zo. En dan moet ik kiezen. Of ik kan haar zo door laten leven. Maar dan kom ik niks te weten. Of als ik haar laat doodgaan, kom ik alles te weten. En dan laat ik haar doodgaan. Ik weet niet of ik zo'n zin heb om altijd met z'n drie op stap te zijn. Monsieur? Bonjour, monsieur. Un Perrier, s'il vous plaît. Un Perrier, oui. Monsieur, est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Montméjean? Moi-même. Pardon? Moi-même, monsieur Montméjean. Ah bon? Bien, merci. Un Perrier. Je veux vous voir, 13 septembre, 15h, Café des Beaux-Arts, Nîmes. Montméjean. Monsieur. Kijk nou maar. Ik voel het. Volgens mij is het te gek. Hoewel iemand die daar echt iets mee te maken had, die zou zichzelf toch nooit zo in gevaar brengen. Het is de vijfde keer dat hij me laat opdragen. En allemaal binnen een straal van 100 kilometer van het benzinestation. Hij verzamelt moed. Hij weet dat ik hem toen misschien heb gezien en dat hij het risico loopt dat ik hem herken. En dan? En dan? Een flauw idee. Weet je waar ik bang voor ben? Dat hij me die briefkaarten niet meer stuurt. Stel je voor dat hij dood is. Dan kom ik het nooit te weten. Je komt het ook nooit te weten. Het is gewoon een grappenmaker die die hele toestand gevolgd heeft met die posters en die affiches en die wil kijken hoe ver jij gaat. Hij hoeft je maar een briefkaart te sturen en je gehoorzaamt. Dat vindt hij leuk. We zullen zien. Kwart voor vier. Zullen we gaan? Laat hem toch stikken. Hij is hier. Saskia is toen... Saskia is weg, Rex. Ze is weg. En laat die gek of wat het dan ook eens zien dat je er geen zin meer in hebt. En als je ooit van plan bent om iets zinnigs met je leven te gaan doen, dan ga je nou met mij mee liggen. Niks doen in de zon. Als Saskia hier zou zijn, dan zou ik met jou meegaan. Maar als ik mocht kiezen en het zou kunnen, dan zou ik liever op het benzinestation zijn. 3 jaar geleden.
Pas voyez Narton. Narendus. Boisvieux. Weet je dat ik daar nooit naartoe ben gegaan? Dan wordt het dus tijd. Ik heb genoeg van die heilige gebieden in jouw leven. Misschien zijn er mensen boven. Kangeroe, kakkerlak, koala-beertje, kiwi, kevervlieg. We zijn er. Riks. 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 Wat is er? Riks. Riks. Ga er bij. Wat is er met de ei? Rex! Rex! Saskia! Saskia! Rex! 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 Je suis ici, Rex Hoffman. Allez, viens. T'as pas compris, tu veux que je descende?
toi ici. Dernière équation. Acide benzoïque. Plus NH2. H2O. 30 secondes. Monsieur Le Mans. 15. Monsieur Le Mans. 5. Terminé. Et vous êtes où? Sur le bord de la fontaine. Ah. Mais parmi cette foule, sur la place de l'hôtel de ville, en Arles, se trouve peut-être un meurtrier. Vous le voyez, mais vous ne savez pas que vous le voyez. Il est aussi peu visible qu'un pavé parmi les autres. Situation poignante s'il en est. Situation pourtant dans laquelle M. Hoffmann s'est trouvé à 5 reprises. Regarde, papa! On est là! Combien de fois la police a-t-elle fait de prise vidéo? Les 2 premières fois seulement. Mais maintenant, ils sont persuadés qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie. Et vous n'êtes pas de cet avis, n'est-ce pas? Non. Et j'espère que ce monsieur m'écoute. Il y a une chose que je veux lui dire. Je veux vous rencontrer. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon ami. Et pour ça, je suis prêt à tout. Je ne vous hais pas. La foudre non plus, je ne la hais pas. Mais je veux savoir. Ik hoop dat het iets voor je oplevert op den duur. Ze werkt in een bordeel in Marseille. Binnen 3 dagen zie ik haar terug. Madame Phoenix, Rue Gambetta, Montélimar. Mais parmi cette foule, sur la place de l'hôtel de ville en Arles, se trouve peut-être un meurtrier. Vous le voyez, mais vous ne savez pas que vous le voyez. Il est aussi peu visible qu'un pavé parmi les autres. Situation poignante s'il en est. Situation pourtant dans laquelle M. Hoffmann s'est trouvé à 5 reprises.
mais je veux savoir. Avez-vous la moindre idée du genre de personne que ça peut être? Je crois que... Non, je suis sûr que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Quelqu'un qui passe inaperçu. Quelqu'un qui aime la perfection. Monsieur Hoffman, une question me tient à cœur. Cette nouvelle campagne doit vous coûter au bas mot 100 000 florins, soit quelque 300 000 francs nouveaux, que vous avez dû emprunter. Alors pourquoi maintenant, 3 ans après? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rêve. Le même rêve exactement qu'avait fait mon ami la nuit avant sa disparition. Elle avait rêvé que nous allions nous rencontrer dans l'univers, chacun emprisonné dans un œuf d'or. Et dans mon rêve aussi, nous nous retrouvions dans l'univers. Et j'ai interprété ce rêve comme un signe. Avez-vous quelque espoir? De la retrouver? Non. Alors, monsieur Hoffman, pourquoi ne pas renoncer? C'est un hommage, monsieur. Oui. Un hommage à la bien-aimée disparue. Si jamais vous avez aperçu cette jeune femme, veuillez nous contacter. Je vous remercie, monsieur Hoffman. Je bent wel fotogeniek, hè? Het spijt me. Hoe is het met jou? Ça va. Echt? Ken je de wet van Lieneke? De eerste relatiewet van Lieneke. Het verwerken van de scheiding duurt ongeveer de helft van de tijd dat de verhouding heeft geduurd. Dus nog een maand of 4, dan ben ik er wel overheen. Is jammer. Als Saskia er niet geweest was. Ja, als Saskia er niet geweest was. Nou, Saskia is er toch. Ik snap het dan. Ik bel je nog wel.
Monsieur Hoffman. Je suis l'homme que vous cherchez. Café des Beaux-Arts à Nîmes. Je vous ai vu, mais vous n'étiez pas seul, j'ai pas osé vous déranger. Elle est morte ? Morte ? Venez avec moi en France et vous saurez tout. Jusqu'à sa mort. Je vous offre cette chance. Unique. Je vous préviens, j'ai pris mes précautions. S'il m'arrive quelque chose, si vous parlez à qui que ce soit, ma proposition ne tient plus. Et vous ne saurez rien. Je retourne en France avec ou sans vous. Je pars dans 5 minutes. J'avais tout le temps peur que vous ne soyez mort. Si vous avez faim, j'ai tout prévu. Passeport. Passeport. Si nous ne sommes pas contrôlés, je vous le promets, je vous dirai tout. Morne Raymond, 6 place aux Herbes Nîmes. La dernière fois, vous m'avez fait venir jusque chez vous. Il est vrai que je n'aime pas l'idée que vous sachiez mon nom. Je dois limiter mes risques. Mais vous auriez pu le trouver grâce au numéro de la voiture. Vous n'avez rien à gagner à ouvrir une enquête. Vous ne trouverez rien contre moi. Et les pièces de monnaie, la machine à café, vos empreintes digitales ont été relevées. Supposez que j'ai eu soif et supposez que j'ai bu du café. Dans ce cas, j'aurais pris les pièces par le bord. Vous êtes sur la photo? Une photo que j'ai prise, la station service? Faux. Vous m'auriez reconnu à la terrasse du café à Nîmes. J'y étais. La deuxième table à droite. Passeport.
J'ai beaucoup réfléchi à notre rencontre, monsieur Hoffman. Depuis le début, j'ai ressenti le besoin de vous voir. Et lorsque vous avez quitté le café à Nîmes, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus attendre. Ce que vous avez dit à la télévision aussi m'a convaincu. J'ai rassemblé le courage dont vous parliez. Vous pouvez me tuer. Je vous en reconnais le droit. J'en prends le risque. Mais je spécule sur votre curiosité. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Mademoiselle Saskia? À l'âge de 16 ans, j'ai fait une découverte. Ce genre de pensée, tout le monde en a, mais personne ne saute jamais. Je me suis dit, j'envisage de sauter. Comment peut-il être déjà écrit que je ne sauterai pas? De quel droit est-il écrit que je ne sauterai pas? Eh bien, pour contredire ce qui est écrit, il faut sauter. Une sacrée chute. Je me suis cassé le bras gauche, j'ai laissé deux doigts. Pourquoi j'ai sauté? Une petite anomalie de ma personnalité. Imperceptible pour l'entourage. Vous pouvez me trouver dans les encyclopédies médicales, en tant que sociopathe dans les nouvelles éditions. Vous avez violé Saskia. Voyons, monsieur Hoffman. Ça a duré 26 ans avant que j'aie l'idée d'une nouvelle expérience. Première arrivée! Ah, j'en étais sûr, Denise. Un petit peu à gauche, voilà. À gauche. Laisse une place avec maman pour que je... Bien, attention, ne bouge plus! Et hop! Et on sourit, sinon pas d'argent de poche. Bougez pas! Papa, papa, il y a une petite fille dans l'eau! C'est Bidule. C'est ma poupée. Monsieur, je ne veux pas la sauver. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Papa, t'es un héros. C'était comme ça, sans réfléchir. Naturellement, je suis un héros. Méfie-toi toujours des héros. Un héros, ce n'est rien d'autre que quelqu'un capable d'un excès. Ma fille était béate d'admiration. Et je me suis dit que son admiration pour moi n'avait aucune valeur tant que je ne m'étais pas prouvé que j'étais absolument
incapable de commettre une mauvaise action. Et comme le noir n'existe pas sans le blanc, je me suis logiquement représenté la chose la plus horrible que je pouvais imaginer à ce moment-là. Mais je m'empresse de vous dire que pour moi le pire, ce n'est pas tuer. Est-ce qu'on pourrait se dégourdir les jambes? Vous venez toujours en France faire du vélo? Vous étiez plutôt un amateur, non? Mon cyclisme amateur, c'est une catégorie. Je faisais du vélo pour mon plaisir. C'est bien ce que je disais, vous étiez un amateur. La montée du Ventoux, c'est là qu'on se plaçait pour voir passer le tour. À 2 km du sommet pour voir ceux qui allaient flancher et ceux qui avaient encore la force de tenter un démarrage. C'est là que j'ai vu Zoltomek. Compatriote à vous, Zoltomek. Vous connaissez? Pas très hollandais. Je dirais plutôt un dieu mexicain. C'est Zoltomek. Zoltomek. On ne fait pas plus hollandais. Ça veut dire lait sucré. Monsieur lait sucré? Il y a des noms bizarres là-bas, hein? Nachtgeboren, né nu. J'ai un voisin, son chien s'appelle Rex. Dodeman. Madame Homme Mort. Je connais un mot. Et le mariage, ça donne des combinaisons étranges. Je connais une femme qui s'appelle Fula Orduli. Hoer van Bedaf. Van Bedaf. Dans l'annuaire de Nîmes, il y a quelqu'un qui s'appelle Pouf. Monsieur Pouf. Ah ouais, en France, on n'est pas très fort pour les langues, c'est difficile. Ouais, pouf. Allez, Besten. Can you perhaps help me? I have a little trailer. Ich brauche Hilfe. Non. Ich brauche Hilfe. I must itch it onto my car. I cannot attach it alone. Très bien. You can help me, perhaps. I have a little trailer. I must itch it onto my car. I cannot. You can help me, perhaps. I have a little trailer. Oh, c'est pas possible, ça. I must itch it. C'est là que je perds du temps. I must itch it. I must attach it. I must attach it, c'est meilleur. My car. Where is your trailer? Oh, there. You don't mind walking there? Why do you not step in my car? That is more easy. I think I'll walk. Okay. Je vous attends là-bas.
Where do you need help? Yes. Twitch it on the trailer. I cannot do it alone. What do you want from my wife? I need help. I cannot do it alone. Here, you need help. Here. Pardon? Rien. Remarquez, vous parlez bien le français. Cela facilite les choses. Ma méthode n'était pas très efficace. Je n'arrivais pas à faire monter dans ma voiture les femmes que je voulais. Les prostituées, oui, mais ça ne m'intéressait pas. Ce sont des victimes prédestinées. Personne ne les pleure. Alors j'ai fait des montées de tension. De la frustration. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Et maintenant, les cadeaux. Voilà le mien. Pour la maison à Saint-Côme. Tes clés de voiture, avec tous les kilomètres que tu dois faire. Merci, ma chérie. Encore. Mes lunettes. Est-ce qu'il est mignon? Plutôt joufflu, hein. Mais ça, c'est quand t'es tombé du balcon. Ce n'est pas la remorque qui devait être plus lourde. C'est moi qui devais être plus faible. Passage en tête d'Arroyo, oui, Arroyo, c'est ça, devant Delgado, et puis Villard, Fignon et Hino, la bagarre commence. Il faut tout simplement être meilleur que l'adversaire, c'est donc un choc de géant, un choc... C'est alors que vous êtes arrivé. Votre ami vous a même donné un baiser, avant de descendre de voiture.
Oui, nous sommes exactement à 20 km de l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez et nous vivons une journée absolument extraordinaire. J'avais raison tout à l'heure de vous dire qu'il ne fallait pas enterrer Hinault trop vite. Hinault fait face. Il se bat avec un courage exceptionnel. Il livre un duel à Fignon à couteau tiré. Alors en deux mots, je vous résume la situation. Herrera et Fignon, qui va certainement endosser le maillot jaune ce soir, à moins d'une défaillance terrible dans l'Alpe, étaient partis dans les derniers kilomètres de la côte de la Frère, alors, dites-moi, là. Qui malheureusement a dû subir une crise. Ils sont rejoints à l'instant même par Hinault, Rabiot, Villard et Breu. Cassé. En Allemagne, c'est défendu de rouler comme ça. Même comme passager? J'ai cassé le bras quand j'avais 11 ans. C'était en 1940. 59. Vous avez 59 ans. J'aurai en novembre. Maintenant, j'ai 58 années. Oui, mais la plus grosse partie de l'année est déjà passée. Donc vos chances d'avoir 59 ans étaient plus grandes. Donc ma supposition était la plus juste. Madame, excusez-moi, parlez-vous français? Bien sûr, hein. Pourriez-vous m'aider? J'ai une remorque, je voudrais l'accrocher, mais je n'y arrive pas. La voiture? Mais où elle est, la remorque? Elle est là. Je vous amène la voiture. Et je peux aller avec vous, si vous permettez. Ah oui. Comment allez-vous conduire? Vous verrez, pas de problème. Excusez-moi. Le destin, monsieur Hoffman, si je n'avais pas éternué. Pardon, monsieur. Vous parlez français? Je suis français. Je passe assez francs pour l'automate. Avez-vous changé pour moi? Alors, j'ai une pièce d'un franc, deux pièces de deux francs. Si vous avez cinq francs? Non, j'ai pas un cinq francs. Ouais, mais un de dix, oui. Et si vous avez encore un cinq francs? C'est pas cinq francs, mais. Ah bon, bon, pardon, pardon. C'est très gentil, mais j'ai préféré. Thank you.
Je vais conduire à l'autoroute pour la première fois. C'est très beau, hein, parler français. Mon ami dit toujours que je dois essayer. 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 Vous parlez très bien le français. Non. Vous êtes un menteur. Menteur? Oui. Oh, regarde-moi. Dans votre main. C'est très joli, hein? Parce que mon amigo je l'aime beaucoup. Et a aussi avec le Rex, Roux, Roger. Raymond. Raymond? Bon. C'est possible. Vous m'avez acheté un souvenir. Je suis représentant de ces choses. Je les vends. J'en ai plein dans ma voiture. Ici? Oui. Non, je ne vais. Non. Oui? Et je veux. Je peux acheter ces choses? Pourquoi pas? Mais un R, hein? Raymond, Roux, Rex, Roux. What? Pourquoi pas? Mais beaucoup plus. Ça te prend 50. Comme le frisbee. Mm-hmm. Je veux beaucoup. Tuile. Ah, ça s'appelle tuile. Oui. Je veux un tuile avec un air. OK. Montez. Pardon? Montez. Stratégie peut toujours d'un moment. Qu'est-ce que c'est? C'était un mauvais contact. Vous ne portiez pas votre ceinture de sécurité, monsieur. J'ai une dispense. Certificat médical. Claustrophobe. Exact. Vous voyez ce que je disais? Toute stratégie peut d'un moment à l'autre être réduite à néant, parce qu'il convient d'appeler le hasard. J'avoue que cela m'attriste.
Monsieur Hoffman. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Je vais vous le raconter, je vous l'ai promis. Mais la seule façon de vous le raconter, c'est de vous faire vivre exactement ce qu'elle a vécu. Vous êtes complètement fou. Peu importe. Alors, elle n'est pas morte ? Buvez. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un somnifère. Je l'ai endormi, je vais vous endormir. Et après ? Après, vous connaîtrez exactement ce qu'elle a connu. Si elle est morte, je vais mourir moi aussi. Vous êtes fou. C'est la seule façon. C'est pas possible. Je ne veux pas vous punir. Je ne dirai rien. Vous ne m'intéressez pas. Tout ce que je veux savoir, c'est ce qui lui est arrivé. Je le sais bien, monsieur Hoffman. Je me suis mise à votre place. Je crois en effet que vous ne souhaitez pas me punir. Je ne suis pas certain d'avoir raison de le croire. Comprenez ? Je vous crois, mais je suis obligé de faire comme si je ne vous croyais pas. Alors buvez. C'est vraiment la seule façon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je vous l'ai déjà dit, un somnifère dilué dans le café. Les clés de voiture, j'aimerais les voir encore une fois. Monsieur Hoffman, comprenez donc une bonne fois pour toutes. À quoi ces clés vont-elles vous servir ? Vous ne pouvez rien prouver contre moi. Vous bluffez. Admettons que vous ayez raison. Vous en êtes certain ? Tout votre problème est là. Vous êtes obligé de tenir compte de la possibilité qu'on puisse rien prouver contre moi. Sinon, vous gâcheriez toutes vos chances. Ah. Oui, mais ce qui se passe dans votre tête, monsieur Hoffman, je l'analyse depuis 3 ans. Vous pouvez partir avec les clés, même aller à la police. Mais alors, vous ne sauriez peut-être jamais ce qui est arrivé à mademoiselle Saskia. Par contre, si vous buvez, vous le saurez. Dans moins d'1 heure, je vous le garantis. J'en sais assez. Le reste, je m'en fous. Je m'en vais. Et l'incertitude ? Cette éternelle incertitude, monsieur Hoffman ? C'est ça le pire. J'ai voulu vous rendre service.
Alors ? Je me suis dit, j'envisage de boire. De quelle droite est-il écrit que je ne boirai pas ? Alors, pour contredire ce qu'il est écrit, il faut boire. Ça prend 10 minutes pour agir. C'est pour elle que j'ai bu. Bien sûr. Elle ne vous a pas laissé le temps de ne pas l'aimer. Saskia. Saskia.